parler d'Art Girl. Alors aujourd'hui, j'aurais bien aimé vous faire une petite vidéo sur Akinator. Donc, je pense que vous allez essayer de trouver de à qui je pense en même temps que lui. Et vous me direz si vous avez réussi à trouver avant lui ou pas. Bonne chance! Alors, est-ce que mon personnage est masculin? Oui. A-t-il vécu en France? Non. Est-ce qu'il a un téléphone portable? Non. Des combats? Oui. L'animation japonaise? Non. Est-il gentil? Oui. Dans un film de cinéma? Non. D'un jeu vidéo? Oui. A-t-il une épée? Oui. A-t-il déjà tiré à l'arc? Probablement pas. Combat-t-il des monstres? Non. Vit-il en Italie? Non. A-t-il un lien avec Ubisoft? Je crois que oui. Est-il un marin ou un pirate? Non. A-t-il un frère ou une sœur? Probablement pas. Ton personnage saute-t-il sur ses ennemis? Oui. A-t-il un nom de scène à consonance arabe? Oui. Est-il le héros principal de l'œuvre dans laquelle on le trouve? Oui. Il a trouvé. Alors, est-ce que vous avez trouvé aussi? Allez, on va en refaire un. Alors, possède-t-il des armes? Oui. Avec une épée? Non. Oui. Non. Utilise des armes à feu? Oui. Est-il l'héros principal? Oui. Est-il allé dans l'espace? Oui. Ressemble-t-il à un robot? Non. A-t-il les cheveux blonds? Non. Ton personnage s'habille-t-il en noir? Non. Est-il issu d'un jeu vidéo? Oui. D'un jeu d'horreur? Non. Porte-t-il un casque? Oui. Masculin? Non. Ton personnage fait-il partie de la série Mass Effect? Oui. A-t-il un rôle secondaire? Non. Encore trouvé. Oui, c'est ça. Bon, maintenant je vais penser à un personnage de manga. On va voir s'il trouve. D'accord? Est-il un garçon? Oui. A-t-il une épée? Non. Est-il issu d'un jeu vidéo? Non. A-t-il réellement existé? Non. Des combats? Non. S'agit-il d'un personnage de dessin animé? Non. Est-il moustachu? Non. Est-il belge? Non. Est-il souriant? Non. Est-il une statue? Non. Est-il méchant? Oui. Est-il de petite taille? Non. A-t-il des cheveux? Oui. Non. A-t-il plus de 30 ans? Je sais pas. Joue-t-il dans un film de cinéma? Non. Vient-il d'Internet? Non. Est-il un personnage de série télévisée? Non. Est-il un être humain? Oui. Vit-il en Amérique? Non. A-t-il des cheveux noirs? Oui. Oui. Est-il mêlé à une enquête policière? On peut dire que oui. Est-il souvent habillé en costume cravate? Non. Fait-il? Non. Eh ben non. Loupé. Allez, on va voir s'il trouve. Non. Est-ce que c'est le héros principal? Oui. Actuellement toujours vivant? J'en sais rien. Va-t-il à l'école? Oui. Fait-il partie de Death Note? Non. Porte-t-il des lunettes? Non. Fait-il partie d'un jeu d'horreur? Non. Possède-t-il un petit carnet? Non. Est-il à la tête d'une grande entreprise? Non. Ton personnage est-il mort de manière épique? Non. Non. As-tu créé ton personnage? Non. Arrive-t-il à ton personnage de voir des fantômes? Non. Non. Vit-il aux États-Unis? Non. Et ça, c'est pas juste, ça compte pas. C'est. Bon, je vais dire non, même si techniquement un peu oui, mais non. A-t-il déjà été arrêté par la police? Non. A-t-il un pouvoir spécial? Non. Joue-t-il le rôle d'un étudiant? Non. Est-il masqué? Non. Un rapport avec un docteur? Non. Présente-t-il le journal de 13h? Non. Est-il asiatique? Oui. Est-il enseignant? Oui. Bah oui. Non. Oui. Est-il un YouTuber? Non. Fume-t-il?
Oui, je crois. Est-il masculin? Oui. Est-il un pro des arts martiaux? Je ne sais pas. Est-il plus de 35 ans? Je ne sais pas. Fait-il partie du milieu du jeu vidéo? Non. A-t-il tué des enfants? Oui. A-t-il connu Hitler? Non. Non plus. Est-il réel? Non. A-t-il un uniforme? Non. Est-il professeur? Oui. Ah bah, quoi? Non. Est-il américain? Non. Possède-t-il des armes? Ouais, non. A-t-il une barbe avec des nœuds? Non. Porte-t-il des chaussettes? Oui. Il n'est pas français. Est-il un footballeur? Non. Peut-il se transformer? Non. Est-il amoureux d'une fille? Non. Est-il gentil? Non. A-t-il les cheveux noirs? Oui. A-t-il la peau blanche? Oui. Est-il toujours habillé en noir? Non. Oh, non. Si tu veux, allez, on continue. A-t-il le permis de conduire? Oui. A-t-il tué des hommes? Oui. A-t-il un rapport avec des vampires? Non. Est-il coréen? Je sais rien, moi. Porte-t-il une arme? Non. Non plus. Alors, est-ce qu'il y est? Ah, il est même pas là-dedans. Alors, il s'appelle Seiji Azumin. The Lesson of the Evil. Hey! Il a pas trouvé! Je suis trop forte! J'ai trouvé le personnage qu'il ne pouvait pas trouver. Je suis fière de moi. Bon, alors les gens, bah, c'est la fin de la vidéo. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à